Il faut essayer de absolument maintenir le lien social par tous les moyens. Donc éventuellement trouver des activités à plusieurs, des sorties quand c'est possible, quand on est capable physiquement de le faire, des activités intellectuelles. Alors les profils ou les situations les plus exposées à la dépression sont quand même d'abord les problèmes de santé, la peur de la mort, la peur du futur, les problèmes financiers, l'éloignement de la famille, les brouilles avec la famille. Il y a aussi par exemple des personnes âgées qui sont de moins en moins en phase avec les évolutions technologiques. La première chose à faire, c'est de l'accompagner déjà pour un suivi médical, premièrement. C'est d'être là, de lui montrer qu'on est présent, sans être intrusif. Il faut surtout écouter les gens pour qu'ils puissent se sentir en confiance. Voilà.